on speaker view, so as soon as she starts talking, she'll pop up, sir. So go ahead and begin. Moi, je suis là, je vous vois, je vous entends. Ah, bonjour Mélanie, ça y est, c'est bon. Enchanté. Du coup, c'est parti, je pense. Comme c'est que 5 minutes, je vais essayer d'être efficace. Hein. Voilà. En quoi vous avez eu la sensation, la certitude de participer à un film de Spike Lee, un film forcément engagé, en tout cas quand vous étiez sur place? Voilà. Comment vous avez ressenti ça? Comment c'est un film de Spike Lee? Comment c'est un film de Spike Lee? Déjà, on sait qu'on va être à bord de quelque chose qui va forcément nous dépasser parce que c'est d'une ampleur comme ça assez exceptionnelle et particulière parce que tout d'un coup, on va s'inscrire dans une écriture cinématographique qui n'appartient qu'à lui et qui est très vite identifiable. Et puis, c'est quelque chose d'étonnant parce que autant on le connaît bien dans son cinéma new-yorkais quand il sillonne les rues de Brooklyn. Et autant là, il se déplace en partant pour la première fois en Asie et il nous emmène avec lui pour faire la guerre du Vietnam. C'est ça. Et pourtant, c'est pas vraiment un film d'époque, c'est un film sur une époque. Mais pourtant, il y a vraiment un écho avec voilà, l'actualité du moment, les manifestations qui sont nombreuses. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Il le dit lui-même, c'est quelque chose de pas nouveau. Simplement, c'est que ça arrive à un moment où ça éclabousse comme ça de partout et que ça résonne, pas seulement évidemment aux États-Unis, mais partout. Exact. Et comment vous vivez ça justement, le fait que le film parle d'une cause, parce que finalement, on voit bien, je ne vais pas spoiler, enfin, vous avez vu le film bien sûr, mais la fin, on voit bien que la cause est au-dessus de tout et qu'il y a eu des martyrs dans la population américaine depuis très longtemps, que là, nos 4 soldats qui vont à l'autre bout sont aussi un peu martyrs parce que bloqués entre eux, la violence de leur gouvernement. Ils sont martyrs parce qu'ils sont, comme ça confrontés à leurs démons et parce que c'est comme s'ils faisaient un peu un point sur leur vie, c'est-à-dire qu'ils repartent là-bas et avec tous les traumatismes que ça a engendré, cette façon où peut-être qu'ils ont perdu la foi ou peut-être qu'ils ont laissé un peu d'eux-mêmes là-bas. Et on est là pour raconter un peu le sacrifice qui a été le leur. Exactement. Et on voit qu'aujourd'hui, la cause est donc toujours là, toujours défendue. De plus en plus, il y a des manifestations dans le monde entier. Comment vous vivez-vous les manifestations qu'il y a en France? Et là, mardi, par exemple, je sais qu'il y a d'autres manifestations de prévues. Est-ce que justement, ce combat contre le racisme, là, on note qu'il y a un point de rupture et on va passer à autre chose. On va réussir à passer ça, ces vieux démons. Comment vous le vivez-vous? Non, mais on est toujours, quand on est confronté comme ça à une justice qui est effroyable et on sort de nos gonds forcément et on a tous envie de lever le poing en se disant qu'il faut que ça cesse. On est tous d'accord là-dessus. Et petite dernière question, puisqu'on arrive déjà sur la fin, c'est vrai que ça va vite. Ça file. Je sais qu'il y a 500 interviews visiblement dans la journée, donc je vais très vite. Dernière question, le Festival de Cannes, comment vous êtes ensemble? Vous en parlez? Il y a un regret? On passe à autre chose, ça y est? Ou il y aura une autre chance? Non, mais on a été confrontés à quelque chose de tellement exceptionnel à participer à une aventure comme ça collective, même si on était tous logés à la même enseigne à la maison. Forcément on a des regrets, j'en ai parce que ça aurait pu être quelque chose de fabuleux d'accompagner le film jusque là-bas et puis parce que ça aurait pas été négligeable de se dire qu'on se fait une montée des marches avec Spike Lee, ça aurait pu être quelque chose de fabuleux. Bon, après les choses ont tourné mal quoi, ça a tourné vinaigre tout ça. C'est ça, mais il y aura l'année prochaine, il va être là, vous aussi j'en suis sûr. Et ce confinement, en tout cas, je voulais dire, vous nous avez bien fait rire avec le petit buzz qu'il y avait eu avec vous et votre mari pendant ce confinement. On s'est tous retrouvés là-dedans. Voilà, c'était super, ultra humain. On était tous face à notre gazinière. Il fallait faire le matin, midi et soir. On a l'impression de tourner en rond toute la journée à faire que ça. C'est clair. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'est la dernière minute. Bon courage pour la fin de journée. Franchement, c'est parfait. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ça va ou pas? Non, tu vois.